Salut à tous, c'est Noxferan, ouf, c'est Noxferan j'ai dit. On se retrouve pour un nouvel épisode de One Shot. La dernière fois, on est sorti des terres désolées. Malheureusement, on a dû laisser derrière nous le robot et les deux robots qui nous ont aidés, hein. La fille et puis le prophète bot amélioré. Il nous a heureusement laissé la disquette qui contient sa mémoire. Donc grâce à ça, on devrait pouvoir le reconstituer un peu plus tard, qui serait une bonne chose. Et on s'est retrouvé dans les glens. On a retrouvé nos amis oiseaux, Calamus et la fille. Je ne sais plus. J'ai tellement une mauvaise mémoire des noms. Et donc on a trouvé un moyen de traverser le tunnel inondé avec un nouveau bateau que nous a donné, que nous a fait apparaître comme par magie le journal. Donc on est en train de continuer comme ça. Et on a trouvé aussi un autre ami qui s'appelle Cédric et qui est arrivé ici avec sa machine volante, mais qui a été détruite en arrivant. Qu'il a dû faire un atterrissage forcé. Et on est donc parti à la recherche d'une batterie et de rouages pour pouvoir réparer la machine volante et essayer d'atteindre la ville principale en volant. Donc déjà on va... Oh! Tu es là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh oh. C'est pour ça qu'il y a des vignes partout, des ronces partout. Est-ce que c'est pour connecter les îles entre elles pour éviter qu'elles ne se brisent. Pourquoi? Qu'est-ce qui te retient en vie? Je vois. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider. Oui, c'est vrai. Il nous faut un moyen de passer. Si tu as encore de la force, je veux pas te forcer, hein, surtout. Hein. Ne fais pas plus que nécessaire. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Non, 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 arrête, arrête, je veux pas. Je veux pas. What? Je sais même plus si ça vaut le coup, hein. Littéralement, tout le monde autour de nous se sacrifie. Je sais pas
pendant encore combien de temps je vais pouvoir supporter ça. Est-ce que c'est ouvert là-bas? Non. Ouais, t'en fais pas, je suis déjà passé par là, tout va bien. Voilà. Elle nous a laissé passer. Tout est en train de se détruire. C'est vraiment une catastrophe. Alors, c'est quoi la meilleure chose à faire? Je crois que c'est d'aller au sud d'abord. Pour aller jusqu'à la station de recherche, puisque c'est un cul-de-sac. Donc, je devrais pouvoir récupérer la batterie là-bas. Et ensuite, il me restera plus que les rouages. On va se dépêcher, hein. Ouais. On sait. Je suis presque sûr que je sais. Je sais qu'il y a une batterie dans cet endroit-là. Je crois que les robots vont pas nous être très utiles ici. Voilà, la Power Room, exactement. C'est là qu'on devrait la trouver. Non, effectivement, je suis pas sûr que ça marche. Encore des anomalies, ouais. Elles se multiplient à une vitesse affolante. Et voilà. Et il y en a une juste derrière, j'imagine. Yep. C'est exact. Oh, c'est vrai. Si on retire la batterie, ça va... Ça va tous les déconnecter. Je sais pas combien de temps je vais supporter ça. Je sais pas non plus combien de temps Nico va supporter ça. Parce que ça doit être encore plus dur pour lui. Donc la batterie. Ok, ça c'est cool. Donc il faut qu'on aille trouver les rouages en espérant que le gars au marché ne soit pas mort ou quelque chose comme ça. Oh. C'est toi? Non, c'est un autre, c'est un habitant ça. Plus que tu ne le crois, mon vieux. Plus que tu ne le crois. Elle a tout donné pour vous donner un peu de répit. Oh shit! On a un bélier qui est un peu bloqué ici. Plus trop ce que le soleil va pouvoir sauver vu la vitesse à laquelle tout se dégrade. Eh, c'est toi, ouais. Oh, je vois.
D'accord. Est-ce que par hasard tu aurais des rouages? Yep, ces trucs-là. Oh. Ah, pas ta musique? Ah, peut-être, ouais, il y a peut-être des rouages là-dedans. Peut-être qu'on peut te trouver quelque chose à échanger. Oh! C'est exact. Merci beaucoup, mon vieux. Ouais. Quelques béliers qui ont survécu. Elle vous protège, oui. Il y a le berger. Tu as rien d'autre à dire? Au moins il a réussi à faire survivre 7 chèvres. Yep. Heureux que t'aies survécu, mon vieux. Même plus de poisson. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si t'en fais pas, gardez ça pour vous. Vous en avez plus besoin que moi. Alors. Oh. Non, effectivement, là, il y a beaucoup trop de. Beaucoup trop de destruction. Le pont est complètement. Complètement brisé. Bon, du coup, on a notre boîte à musique. Que je peux l'ouvrir? Faire quelque chose avec? Non. D'accord. Bon, il n'y a plus qu'à repartir. C'est vraiment. Ah, oh, c'est vraiment terrible tout ça. Tout est en train de mourir partout. À une vitesse horrible. Je sais même pas si on aura le temps. Si on se dépêche pas, il n'y aura plus rien à sauver. Ça va être une catastrophe. Combien de gens vont devoir mourir avant qu'on puisse avoir un soupçon de chance de sauver cet endroit? De sauver ce monde? Est-ce qu'on peut sauver ce monde même? Vu tout ce qui est détruit? Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Je sais plus. Je commence à avoir des doutes et... Je suis sûr que... Je suis sûr que Nico a aussi ses doutes. Encore plus que moi, sûrement. Parce que il sait pas ce qui se trame dans ma tête. Remarque, moi je sais pas exactement ce qui se trame dans sa tête non plus, mais. Quand même. Il a des raisons de s'inquiéter, le pauvre. Ok, on est de retour. Est-ce qu'ils ont autre chose à dire? Maintenant qu'on a les objets. D'accord. Rouage, oui. Normalement, oui. Il devrait y en avoir là-dedans. Allez. On va voir Cédric pour qu'il puisse nous aider. Non, t'en fais pas, j'ai déjà tout ça. La boîte à musique. Qui devrait avoir des rouages dedans. Ah ouais? Mais il fait tellement de choses, ton père. Yep. En même temps, un peu la personne la plus productive de cet univers, quoi.
J'aurais bien aimé connaître la suite, mais bon. Ah, parfait. Ouais, bah oui, c'est la boîte à musique, mais bon, on est obligé, hein. Yep, t'en fais pas, j'ai la batterie juste ici. Ah bon? Ouais. On était obligé, malheureusement. C'est vrai. C'est vrai. Tu as raison, Cédric. Faut regarder le bon côté des choses. Faut toujours revenir réparer. Réparer ce qu'on a détruit. Ok. Ouais, non, t'en fais pas. Re On va se reposer un peu avec tout ce que. Tout le bazar qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Ça avance lentement. Pas très bien alors. Ok, bien. Le plus tôt sera le mieux. Parce que si les glaines et les terres désolées sont dans cet état, j'ose pas imaginer ce qu'il y a en ville. D'accord, donc reconstruire le robot. Et une dernière personne. C'est une fille. Tu parles du renard? Je le savais. Elle avait l'air importante et finalement, effectivement. Tu t'en souviens? Ouais. Rue. Comme ça qu'elle s'appelle Rue. Rue. Tu t'en sors bien, Nico, t'inquiète pas. Tu t'en sors très bien. Ouais, la mémoire, c'est pas. Ça revient pas comme ça d'un claquement de doigts. Honnêtement, je sais pas, Nico. Je sais pas pourquoi t'as été amené ici. Ouais, c'est une bonne question, ça. Est-ce que c'est l'auteur qui vous a programmé ensuite de cette manière? Cédric. Moi aussi j'ai du mal à expliquer les choses. J'espère sincèrement qu'il va réussir à tout réparer. Ouais, ça vient d'où ça par contre? Un patch? Donc le jeu est en train de mourir en soi. Mmh.
des bugs, quoi. J'ai même perdu des amis. Honnêtement, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. C'est un truc que les dieux peuvent faire, d'une certaine manière. En fait, son père, il est un peu comme moi. Une entité extérieure qui a construit le monde et qui s'est intégrée dedans finalement. Nico veut vraiment savoir, Cédric. Tu peux pas le laisser attendre. L'ancien monde? Ouais, il s'est passé beaucoup de choses, hein. C'est pas forcément facile de tout retenir. D'accord. What? Il était détruit? Oh, donc le monde aura été détruit. Waouh, carrément à ce point-là. Ouais, je comprends, quand tu peux plus rien y faire, à quoi bon, quoi? Mais certains veulent à tout prix se battre jusqu'au bout pour trouver un moyen. Ouais. Ce monde, il a créé ce monde. Yep. Oh, donc il a recréé le monde dans lequel il était. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Oh, à ce point-là. Ouf. Ça peut pas être une bonne idée, ça, quand même. Utiliser soi-même comme cobaye pour lancer un processus comme ça. Ouais, effectivement. Et cet opérateur, c'est moi. Je vois. Oui. Waouh, Nico a compris. Je vois. Non. Wait. Oui, c'est clair. Pourquoi moi? Ça, c'est une question que t'aurais dû poser il y a longtemps. Ça va, tu as réparé l'avion? Ah, merci. Dans les 5 prochaines minutes, ça marche.
Ouais, il essaie de nous aider tous. Et moi aussi, ça m'agace. Après tout, il l'a créé, donc évidemment que ça doit beaucoup compter pour lui. Ah, t'as jamais pris l'avion, Nico. Oui, aussi, c'est vrai. Ça va être une expérience différente pour celui-là. Oui, c'est un bon conseil. Courage, Nico. On peut le faire tous les deux. Calamus et Alula. Ouais, il faudrait leur dire. Oh, ils arrivent. Coucou, Alula. Hein? Oh shit! Oh, évidemment! C'est toujours les carrés. C'est mauvais. Dis-moi qu'il y a assez de place dans ton avion. Dis-moi qu'il y a assez de place dans ton avion, Cédric. Eh non, 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 on va pas les laisser là quand même. T'es sûr? Oui. T'as intérêt, Cédric, hein, tu les... Surtout, tu me déposes et tu repars direct les chercher, hein, parce que je veux pas les perdre, ces deux-là. J'espère que ça va pas prendre. J'espère qu'ils vont être en sécurité cette heure-ci. J'espère sincèrement. Ok, pas de temps à perdre alors, allons-y. Comme d'hab, on voit le soleil d'ici. Deux petits pixels qui brillent. Ouh, la classe. Et on arrive à la ville. Le refuge, comme il l'appelle. Phew, indeed. Nico est encore un bas sourdi. Ah. Content que c'était plus Nico. Ça c'est sûr. Il y a les yeux qui brillent de mille feux. C'est génial. Oui. Ça l'était, oui. Ouais, c'était sympa. J'ai apprécié en tout cas. Yep, c'était super cool. Merci pour tout, Cédric. On va faire de notre mieux pour sauver celui-ci, ok? Tu peux compter sur nous. C'est vrai. Même si tout ça est virtuel, ça veut pas dire que les expériences et les sentiments que tu as vécu à l'intérieur ne sont pas réels. Ça aurait été bien de se voir dans un bar devant une bonne bière. Oui, vas-y, fonce. Avant qu'il se passe quoi que ce soit. Et yep, prendre un ascenseur, descendre jusqu'à la surface. Ah oui, c'est vrai qu'il n'est pas encore réparé, techniquement, donc il va falloir faire ça. No problemo. Dans 1 heure, ça marche.
J'en ai marre de ces conneries. J'en ai marre de ces conneries. Même Cédric est sous le choc. Porte sous une large horloge. D'accord. Ça marche. Toi, tu vas t'occuper de Proto. Yep. Wow. Ok. T'aurais pu me passer un parachute pendant que tu y es. Eh oui, t'en fais pas, il gère. Parachute. Oh, mais fuck. Oui. Faisons mieux que ça encore. J'ai jamais autant détesté un tas de pixels de toute ma vie. Un tas de carrés, un tas de glitch, un tas de bugs. Pourquoi on en est arrivé là? Oh. Oh! Mais oui, c'est vrai! On va retrouver notre ami. Yop. Mais avant ça. Oh, il y a l'air d'y avoir des problèmes de à droite à gauche. Je vais. Ah oui, je veux bien aller lui parler, mais. Mais. Je veux aussi aller sauvegarder, bon. Vous savez quoi? On va lui parler dans le prochain épisode. Et puis je sauvegarderai plus tard, c'est pas grave. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et espérons en arriver vite à la fin, parce que j'en peux plus d'avoir des sacrifices à droite à gauche. J'espère vraiment qu'on va pouvoir arranger les choses et, avec un peu de chance, sauver tout le monde. Et faire revivre, je sais pas, un miracle. J'espère pour un miracle. Alors dans le prochain épisode, on parle à notre ami de l'ascenseur. Sur ce, à la prochaine. Salut.